Salut tout le monde, c'est Jack. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à EA Sports UFC 2, plus particulièrement à la carrière de Chekwa. Donc, je le rappelle, je vais affronter, ou en tout cas me faire violer par Anthony Petit. C'est inévitable. En tout cas, j'adorais votre soutien dans les commentaires. Ah, tu vas affronter Anthony Petit? Bah, t'as aucune chance. Sympa, sympa les mecs. Ok, je pense comme vous, mais bon. Toc. Ouais, maintenant je vais faire que du sol pour. Parce que 62 niveau sol, comme vous me l'avez fait remarquer, c'est un peu juste la teon. Et du coup, ouais, faut augmenter ça. Hop. On y va à fond, on y va à fond. Défense takedown. Où sommes-nous? On est à 87. Là, 60. Grand endpoint, je m'en tape un petit peu. On a fait quoi là juste avant? Allez. Boum. On a un petit peu augmenté là, je pense. Je sais pas. Mon combattant, on a fait quoi du coup? Je me suis attribué les points déjà ou pas? Oh, je sais plus. Oui, 178, mais. Très bien, bon bah hein, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ah ouais, j'ai remarqué un truc. Parce que voilà, le jeu en solo est beaucoup trop facile. Ils ont pas mis une difficulté assez grande, je trouve. Contrairement en ligne, bon voilà, c'est toujours le viol. Et par conséquent, je m'étais dit, mais pourquoi pas, tiens, me faire un petit mode solo. Tiens, au sol, je suis passé à 71. Pourquoi pas me faire un petit solo en prenant Marilyn. Je voulais prendre Marilyn et puis aller combattre, je sais pas, moi, Ronda Rousey ou peu importe. Et en fait, on peut pas. On n'a pas accès à nos combattants qui sont en carrière, enfin qui sont en retraite tout simplement. Du coup, oui, on peut créer un combattant. Essayer de refaire le même, mais c'est un petit peu désolant, c'est chiant surtout. si vous avez une méthode, parce que je crois que sur EA Sports UFC 1, au début on les trouvait pas et après fallait aller sauvegarder le personnage. C'est ce que j'ai fait, là, ça n'a pas marché. Alors si vous avez une solution, dites-la moi. Parce que là, je suis un peu dans. J'aimerais bien jouer avec mes personnages, voilà, après leur retraite en mode solo, quoi. Bon allez, un peu de concentration comme d'hab, je vais pas trop parler parce que là franchement c'est un enjeu important. C'est Anthony Pettis donc allez c'est type 1. Aussi vous m'avez conseillé d'attaquer plus les jambes et le corps. Du coup je vais le faire. Même si le mec bon mais il a plus d'allonge que moi donc. In fact, you can argue that this is the toughest fight of his professional career. He realizes, though, if he's able to get a win tonight, on s'éloigne quand il est dos à la cage, Anthony Petit, il veut forcément nous foutre ses showtime kicks. Du coup, nice roundhouse kick to the body. He scores with the leg kick. Good leg kicks by Pantera. Aïe, aïe, aïe. Les 87 de défense, ça ne me sert pas grand-chose, hein. Pareil, hein, sur le dos, je suis censé avoir bien évolué, mais visiblement, ce n'est pas suffisant. Je rappelle, la difficulté est quand même assez élevée, mais quand même. Non! Bon, boum! Je me relève, c'est hors de question que je reste seul contre lui. Enfin, contre n'importe qui, de toute façon. Je sais plus, j'avais pas un coup de savate au corps, à part cela. Il m'a détruit la jambe. Je suis handicapé dans mes mouvements, c'est bon, j'ai récupéré. Ah ouf. Tout de suite quoi, tout de suite au sol quoi. Anthony Petit, je suis désolé, il est très bon de vous, pourquoi il. Il veut aller au sol contre moi, quoi. Je veux dire, debout, il peut largement me laminer. Ah, il me détruit, il me détruit, il me détruit.
Putain, il me détruit les jambes, laisse tomber. Il y a des... Big kick just missed. Wow. Je tente, hein, vous savez, le tout pour le tout. Huge leg kick. Oh la vache, il me ruine avec ses leg kicks, un truc de malade. Allez, approche. Oh l'enculé, l'enculé, c'est venu d'où, c'est venu d'où, j'y crois pas, il avait plus de cardio, il était mort le mec. Et qu'est-ce qu'il nous fait là, je sais quoi. Je parle pas de moi à la troisième personne, hein. C'est le nom de mon personnage du coup. Un peu de provocation. Ah oui, voilà, c'était ça mon coup de pied au corps. Je m'étais un peu protégé, mais bon, tant pis, on dira que non. Je sais pas jusqu'où il faut monter dans en clinch par exemple pour avoir une défense suffisante quoi. He's got the clinch. Pettis has got the double underhooks here. Il vise l'interruption. Oh le cardio, c'est quoi cette honte? Oh bah ça va, j'ai réussi à le toucher. Allez, récupère, récupère, récupère. 25 secondes. Digging into that leg kick, and he connects. There's a combination. That's a solid hook. Hard straight punch. Body kick, look at that. Throws to finish, Joe. And that'll be. Wow, j'ai flippé. Putain, vous avez vu ce que j'ai mis à un moment? Non, franchement, on me dit qu'il faut que j'évolue au sol. Certes, c'est un fait, mais je manque clairement de puissance. Ou alors c'est eux qui ont trop de résistance menton, je sais pas. Vous avez vu ce que j'ai mis à un moment? Et juste après, lui, bah voilà, il me balance ça. Et boum! Alors que j'étais en train de le sonner, mais sévère, quoi. And here we see it from another angle. Oh bah c'est bon, hein, peut-être pas le remonter 16 fois, non? Je sais pas, enfin... Remonterait, pardon. Allez, un peu de provoque. And we start round two. That's a beautiful with that hook. Combination. Solid shot to the body. Huge elbow lands to the head. Oh, that's a heavy body kick. Oh, attends, je vais toucher la main là sur le. Allez, t'es. Un de chaque jambe, juste pour le plaisir. That's a big elbow, Joe. Huge elbow. Huge hook. There's a nice combination. Eh oui, allez, bien sûr. There he is, got the takedown. Ouais, vas-y, relève-toi. Allez, allez. On le sent là. Ah, ah, ah. Oh, putain, ouais.
Oui. Joe, here's the finish on our fight replay. Let's see it again. Boom. Check out this angle here. Hammer fist. Bruce Buffer has the official decision. Tu ne t'y attendais pas, mon petit. Ouf. Ah, il y avait des objectifs sur ce combat. Bah, je les ai oubliés, je sais plus. Du coup, maintenant, je suis dans le top 10. C'est ça, ouais, j'ai fait un premier écran hier, mais j'étais déjà dans le top 10, en fait. Aïe, 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 aïe. Mais oui, forcément. Dommage qu'avec les points d'évolution, on puisse pas acheter des fans. Paré 10 frappes, terminer le combat sans avoir effectué, je suis bien takedown. Bah ouais, 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 d'accord. Ah, c'est con. Bah, c'était le moyen de gagner plus de fans, mais bon, quand il y a ces progrès-là, enfin ces défis, pardon, on se concentre surtout sur la victoire, parce qu'en général, ces adversaires, c'est pas des rigolos, et du coup, on se concentre plus sur la victoire que sur la façon de gagner, on va dire, quoi, voilà. Wouh! Après, voilà, je trouve mon combattant peut-être un peu plus efficace que Marilyn, par exemple. Et je suis quatrième! Enfin, quand je vois ce qu'il y a devant moi, ça me fait un peu flipper. Ouais, voilà, c'est vrai que je trouve mon combattant un peu plus résistant et tout. Bon, après, c'était un poids léger. Hein. Allez, allez. J'ai même pas le choix, là, tu vois, c'est direct. Tac à Norigomi. Alors, dur comme la pierre, dur un dégât critique de santé, malourde, augmente les chances d'étourdissement. Bah oui, hein. D'ailleurs, malourde, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'achète également ce truc. On va voir. Je pense que si je bats Takanorigomi, je peux peut-être effectivement aller en combattre pour le titre. Mais à savoir que depuis que je suis dans cette carrière, c'est toujours le même champion. Donc c'est mauvais signe. Très honnêtement. Alors, attaque de la semaine en 3 secondes après. Coup de pied à la jambe, ça veut dire. Je m'en sers pas, ça me sert vraiment à rien. Donc, main lourde, où es-tu? Augmente les chances d'étourdissement, oui. Déséquilibre après un coup de poing à la tête. Allez, boum. Level 3. Allez, voilà, pour le plaisir. Du coup, j'ai plus rien. J'ai plus de points à m'attribuer pour des nouveaux coups, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller s'entraîner pour l'instant. Hop. Quand entraînement, je remettrai bien. Un petit peu ça. Boum. Boum. Clinch. Défense takedown, boum boum. Ok, camp d'entraînement, on va retourner un petit peu au sol désormais. Ah, moins 3 d'endurance. Je me tâte. Ouais. Et boum. Entraînement très complet, comme vous le voyez. On s'est spécialisé dans aucun domaine. Varié dans. On a visé un peu dans tout. Hop, jette un petit coup d'œil aux stats. 80 en général, 80 en clinch, 93 debout, au sol 71. Ça, au sol, ça n'a rien changé. C'est le clinch qui a évolué, je crois. Prochain entraînement, je pense que. Enfin, après. Ouais, pour le prochain entraînement, je pense que je vais miser un petit peu. On va dire deux entraînements sur la puissance pied-point. Ou vitesse. Peut-être plus puissance, je pense. Et ensuite, sol. Alors, c'est parti. Ah là là, putain, cette pression que j'ai eue, quoi. Mais rien qu'avec son coup de salle, quand il m'a retourné, le mec, je l'ai sonné. Enfin, je l'ai pas sonné. Je l'ai boxé, je l'ai boxé. Et j'ai essayé de faire comme vous m'avez dit en plus. Taper un peu plus aux jambes et au corps. C'est pas évident parce qu'au corps, faut vraiment casser la distance.
Quoique je peux, avec mes coups de pied, ça va, mais par exemple, mon coup de pied direct au foie, il a pas de. Je crois qu'il est niveau 1. 2 grand max. Par contre, mon coup de pied retourné au foie, il est peut-être 3 ou 4. C'est vraiment le truc que j'aimerais augmenter à fond, quoi, parce que j'utilise vachement, je trouve très efficace et graphique, quoi. Tail of the tape for this lightweight fight. Gomi is 7 years his elder. Pantera is 5 inches taller. Gomi will have a 1-inch reach advantage. And with the official introductions, here is. Allez, c'est parti. Ah, garde inversé, j'aime pas. Pantera. Here we go. Fight scheduled for 3 5-minute rounds. White trunks for Pantera. Black trunks for Gomi. Joey has worked his way up the ladder and tonight faces the most difficult test of his mixed martial arts career. He said he wants to fight the best. Well, tonight he gets that opportunity. Ah, il est super efficace. Je sais que j'en abuse, mais il est tellement efficace que voilà, moi je m'en fous, quoi. C'est. To the body. Good body shot. Could hear it in our broadcast position. Nice hook to the body by Gomi. Oh, he's rocked here early. Oh, big one. Wow! Boy, he is in big trouble, Mike. Beautiful body shot there, too. Solid jab. Oh, he's landing some good shots here. Wow! Une colle d'eau à la cage, j'aime pas ça. Je préfère ça. Ouais, ce coup-ci là, du fait qu'il y a un 1 qui est pas très efficace, qui a toutes ses chances de rater surtout. Wow. Ça fait beaucoup de wow, j'en ai bien conscience, mais. Pas trop que j'essaie de boxer face à un boxeur, c'est vrai que. Big shot just missed. Pantera with a strong elbow to the head. Oh, very nicely done. Ah, il change de garde en même temps que moi, merde. Inside leg kick. Huge leg kick. Oh, he got tagged. He's on the counter. Ah bon? Qui sort? Ah bon? D'où? Ouf. Ah, le salaud. Ça y est, il le voit venir maintenant. Je vais me calmer en mouvement parce que là, franchement, je me dépense, je me dépense, je me dépense. Nice inside leg kick. Clean inside leg kick. He hurt him with that hook. J'ai l'impression que plus le round avance, plus il est puissant, plus il a d'énergie. Salaud. Allez, je vais essayer de boxer un petit peu. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, mais. Caught him with a big right hand.
Chaque fois que je provoque, il m'attaque, j'ai l'impression. Double underhooks. Good uppercut. Gomi's left eye looks like it's really starting to tape, hein. Un petit peu, parce qu'il se défend pas, donc autant le premier en clinch. Après voilà, j'ai vu qu'il restait que 10 secondes de combat, je me suis dit, tu peux te permettre de rester en clinch. Boum, ça c'était ma technique face à Ross Pearson. Bon, pour l'instant j'estime gagner ce round. Après j'ai pas non plus envie d'aller à la décision, mais voilà. Ce qui m'énerve c'est que, je sais pas si c'est la difficulté qui fait ça, mais le mec, j'ai l'impression que plus je le sonne, plus je le frappe, plus il est puissant, plus il en demande, plus il est violent, quoi. C'est, je sais pas, après je me trompe peut-être, c'est peut-être moi qui du coup me fatigue trop et suis plus sensible au coup donné par mon adversaire, je sais pas. Check out the knockdowns that have been landed in this fight so far. And he's looking for that left. He's doing a real good job of landing those punches. Nice roundhouse kick to the body. Vous voyez, là, il se déchire. Oh là, j'arrive même plus à parler. Vous voyez de quoi je parle? Ah, il a changé de garde, j'ai pas envie de changer la mienne. He lands a head kick. Faudrait que je change de garde parce que mes coups de coude ils ont pas beaucoup de chance de frapper, j'ai l'impression. Et voilà, au moins mes leg kicks passent à nouveau. Mais les siens aussi. Je tente, hein. Pantera's looking for a choke. Et merde, pourtant je l'ai mis peut-être trop tard, je sais pas. They're working hard here in the clinch. He just missed with the right. Very nice counter. Tous ces coups qui passent, ces coups de poing passent, pourtant je me contente bien. Je l'ai fait deux fois parce que je sais que c'est le seul qui à distance peut toucher et c'est bon, putain oui. Ouais, désolé de l'avoir fait deux fois, j'aime pas du tout enchaîner deux fois le même coup, mais je sais que voilà, c'est celui que j'ai mis à la place du coup de genou que je voulais mettre, coup de genou sauté. Parce que je sais que c'est des coups qui passent très bien à distance, parce que quand le mec est sonné, il recule, normal. Et du coup, boum, celui-là, voilà, je sais qu'il passe. En plus, c'est un magnifique coup de taekwondo, donc voilà. Et il passe bien et il fait mal. For the knockout. Look at this. Boom! Wow! And here we go with the official decision. Du coup, je pense
qu'on va me proposer un combat pour le titre. Pantera wins by knockout. Et très honnêtement, qu'on va pour le titre, je crois pas trop. Enfin, j'ai eu aucune récompense de tout au long de ma carrière. Et c'était chaud, hein. C'était chaud. Il s'est mis à bien boxer là sur la fin, putain. On va voir, mais normalement on va me proposer un combat pour le titre, si je dis pas de bêtises. Du coup ça le fait quand même, regardez, combat pour le titre, dimanche matin. Ça peut être cool. De quoi faire, vous défaire un week-end. Allez. Et... sans zap, on connaît tous. Donc soit challenger. Ah bah non. Pourquoi? Il est même pas devant moi sur le truc. Ne laissez pas Cowboy placer plus de 10 coups de pied à la tête. Au... coups de pied au corps et à la tête. Le mec... ok. N'importe quoi. Placez 5 coups de pied à la tête et au corps. Battez Cerrone par soumission. Bon, oui, bien sûr. Oui. Je regarde un petit peu ce qu'il a. Ok, ok. Bon, bah on accepte, on n'a pas le choix. Mais attendez, c'est du grand n'importe quoi. Il est sixième. Moi, je suis deuxième. Je suis deuxième, je suis là. Donc, théoriquement, j'aurais dû l'affronter. Toute logique, le champion. Lui, il est là. Tranquille. Il arrive, il passe. Hop, 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 hop. Et il affronte le deuxième. Ça va, mec. Tranquille, quoi. Tranquille. On peut jeter un coup d'œil. Qui sont les champions? Bah, pas connu. Pas connu. Pas connu. Van Zandt. Raquel Pennington. André Arlovski, champion des poids lourds, tiens. Cormier, champion des lourds légers. Rockhold, poids moyen. Walter, Eric Silva, cool. Et là, Dos Anjos. Ah, putain, c'est abusé. C'est abusé qu'on me fasse affronter ce gars-là. Je suis un peu surpris. Je suis à un stade de la carrière, en plus, où voilà, il va falloir que j'avance nettement... voilà quoi, je suis bientôt à la fin de ma carrière. Du coup, c'est le moment quoi. Proposez-moi un combat pour le titre. Je sais pas. Déplacement. Vitesse coup de pied, je suis en train de me demander si je suis à fond ou si je peux encore évoluer. Je pense pas. Je crois que j'avais fait la réflexion effectivement qu'on pouvait pas évoluer plus. Toc. Moins 10 en grand end point. Ok, ok, ok. Non, on peut passer au combat. Mon combattant. Hop. Mouvement, il y a peut-être effectivement certains coups de pied que je peux améliorer. Boum. Mille. Il y a un truc que je voulais faire passer à 1000, je crois. Ah, mais celui-là, il est très bien, je veux dire, avec... putain, on peut faire passer niveau 5 encore, 1800. Hop. Coup de poing, mon overhand, il est à combien? C'est pas celui-là. Niveau 3 le coquin. 1000 pour niveau 4. Sinon je vais peut-être économiser pour... putain il est que... ouais allez. Et voilà. On est passé à 72 au sol. Je me fouais pas trop mal. 94 debout. En moyenne générale 81 pour un clinch à 80.
Bon ben voilà les amis, j'espère que pour la prochaine vidéo, j'espère que je batte Cerrone et surtout j'espère que je vais avoir une proposition pour le titre, ça serait pas mal. Ou alors si entre-temps Dos Anjos pouvait perdre son titre, moi j'aimerais bien s'il pouvait perdre son titre et que du coup je pouvais affronter quelqu'un d'un peu moins bon, bah, ça m'arrangerait. Bon, et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain pour la suite. À plus tard!